Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette magnifique boucle d'oreille au crochet. On va réaliser la deuxième de celle-ci. Elles sont très mignonnes. Pour ce faire, on aura besoin de fil, d'un crochet de 2 mm, d'une paire de ciseaux, d'une attache, de la colle éventuellement. On va commencer par faire un nœud magique comme ceci. Et dans notre nœud magique, on prend le fil. Dans notre nœud magique, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nos 3 mailles en l'air vont nous servir de bride. Maintenant, on va faire 5 brides. Avec nos 3 mailles en l'air, ça va nous faire 6 brides. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va continuer dans notre cercle magique. On va faire 6 brides. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tirer le bout de fil-ci, comme ceci. Et on va venir faire une maille coulée ici. On fait une maille coulée. Et puis, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air qui vont nous servir d'espace. 1, 2. Parce que les 3 mailles en l'air ici qu'on a fait premièrement nous servent de bride et les 2 ici qu'on vient de faire nous servent d'espace. Maintenant, dans la maille qui suit, on va faire une bride. Comme ça. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille qui suit, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille qui suit, une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la maille qui suit, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans notre espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace toujours, on va faire 2 brides. 1 et 2. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille qui suit, on fait une bride.
Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille qui suit, une bride. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Maintenant, dans notre espace, on va faire deux brides premièrement. Une. Deux. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va venir dans notre troisième maille. On va faire une maille coulée. Comme ceci. Et on fait une autre maille coulée pour rentrer ici à l'intérieur. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui nous servent de bride. Ensuite, on va faire une deuxième dans le même espace. Et au sommet de nos deux brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté pour faire le picot. Et on vient ici, comme ceci. On va chercher le fil et on va sortir les 3 boucles qui sont sur notre crochet. Comme ceci. On vient dans l'espace qui suit. On fait 2 brides. Une. 2. Maintenant, au sommet, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté et on vient ici entre nos deux brides. On va chercher le fil et on a 3 boucles sur le crochet. On a 1, 2, 3 et on va les sortir tout ensemble. On fait notre picot comme ça. On fait 2 brides dans l'espace qui suit. 1. 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Et puis on vient ici. Et on sort toutes les boucles du crochet. Dans l'espace qui suit, 2 brides. 1. Deux. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Voilà. Maintenant, au niveau de l'espace, on va faire 2 brides premièrement. On va faire un jeté. On fait premièrement 2 brides. 1. 2. On fait notre picot comme d'habitude.
Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait notre picot cette fois-ci comme ceci. Toujours dans le même espace, on va faire 2 brides. Une. Deux. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Un jeté. Et on continue avec notre picot comme au début. Voilà. Dans l'espace qui suit, 2 brides. Les picots. Quand nous sommes à l'espace, on va faire 2 brides de première main. Un picot. Comme ça. Et enfin, deuxième picot. 1, 2, 3. Comme ceci. Deux brides dans le même espace. Et puis le picot aussi. Une. Deux. Voilà. On fait nos dernières brides. Une. Deux. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Un jeté. Et on fait notre picot. Comme ceci. On va faire une maille coulée ici, à l'intérieur de nos 3 mailles en l'air, comme ceci. Ensuite, une autre maille coulée, une maille en l'air, et puis on va couper le fil. Voilà, on va cacher le fil. On va envoyer le fil ici derrière. On va mettre notre puis on va mettre la colle dessus. On va couper. Voilà, notre boucle est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!